En fait, nos impressions ne doivent qu'être heureuses parce que Savalou se repose sur la royauté. La royauté qui a déjà perdu son éminence du fait que certains statuts qui traduisent nos fondamentaux, je veux parler du vaudou, sont partis du pays avec leurs effets. Les effets certainement bénéfiques pour les populations savaloises, ces effets sont partis. Et le retour de ces effets-là ne peut être pour nous que joie. Et c'est en cela que nous félicitons le président Patrice Talon pour cet effort. C'est de l'audace d'ailleurs, nous allons appeler ça de l'audace. C'est de l'audace qu'il a eu à faire revenir ces effets-là. Et certainement qu'ils auront un effet impact, qu'ils vont impacter grandement notre royauté. Savalou se repose sur la royauté, sur le vaudou. Ces effets qui sont partis là, je suis sûr que Savalou va en faire partie. Puisque le vaudou goût qui est parti est de Savalou. C'est Béhanzin qui a négocié le goût à Savalou ici pour que ce goût-là parte. A été arraché à Béhanzin. Béhanzin est venu négocier pour le soutenir dans ses actions. Donc ce goût qui est parti va revenir. C'est une force pour Savalou. Certainement qu'il y a des statues. Gouissou, par exemple, a perdu sa statue. Un amas de fer que nous avons appelé aussi le goût, qui a donné son nom. Et d'ailleurs, vous allez constater que tous les rois savalois prennent leur nom à partir du fer. Ça veut dire que ce goût-là nous appartient. Et nous allons demander au président Talon de vulgariser un peu cette histoire de musée qu'il est en train d'installer, de partir par là. Savalou mérite aussi un musée. D'ailleurs, l'histoire de Savalou fait que la route, la vraie route de l'histoire de l'esclavage part de Savalou. Les esclaves sont achetés ici à Savalou et sont amenés en terre étrangère, passant par Guyane. Donc, restaurer notre histoire ne serait pas une mauvaise chose. Et c'est ce que nous allons demander au président Patrice Talon qui a déjà assez fait. Nous avons déjà commencé une petite course. Nous avons été signataires du mémorandum qui est passé dans les palais royaux pour que ces biens-là reviennent. Ça va falloir signer le mémorandum aussi. Et donc, c'est que nous espérons quelque chose et un musée nous rendrait plus fort. Donc, voilà, nous, c'est un souhait que nous faisons et nous savons, nous sommes certains que le matériel va revenir et que ça va nous grandir davantage. Dès que le matériel va revenir, les esprits qui habitaient ce matériel-là continuent d'exister. La preuve aujourd'hui, malgré que vous exploitez le soleil pour faire la lumière, pour faire le vent pour le téléphone par exemple, vous utilisez l'eau pour naviguer, pour faire tout, donner de l'électricité, les vertus de l'eau ne sont pas parties. Le Torosu reste toujours Torosu. Dès que son ancienne maison reviendra, vous allez voir que les effets vont reprendre. Je vous donne par exemple. Si vous avez habité une maison depuis 50 ans et vous revenez dans le milieu, vous avez du plaisir à dire, j'ai habité cette maison-là. Donc quand les instruments vont revenir, malgré que ces instruments perdent, on croit que les instruments ont perdu, de par leur déplacement, ont perdu leur effet. Non. Dès que ces instruments vont revenir, ces instruments seront réhabilités par nos esprits. Et ça, nous comptons sur ça. Nous sommes croyants traditionnels et nous croyons que ça va revenir. Le monde actuel a beaucoup de simulacres. On peut nous amener de n'importe quoi pour dire que c'est les effets que nous avons laissés. Ça peut se passer. Mais dès que les instruments vont revenir, nous savons ce que nous avons comme original. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Et on n'est pas obligé de dire on va se réunir pour faire parce que les choses, les choses royales qui vont revenir ne seront pas spécifiquement pour Savalou, ni pour Abomey, ni pour Porte-Mot. Il y aura des choses du Nord aussi qui vont venir. Or, ce n'est pas les mêmes rituels qu'on fait. Pour ne pas embrouiller les rituels, on peut se réunir quelque part dans Savalou, dans Porto-Novo, dans Ouidah, les Savalou, j'aurais souhaité, pour dire on fait un rituel au nom de tous les instruments qui sont revenus. Et qu'on demande aux membres de nos ancêtres de revenir en ces instruments-là, de nous protéger. C'est ça que nous pouvons faire. Mais aller dire individuellement ici, on va tuer un coq, peut-être qu'au nord, c'est un chien qu'on tue, peut-être qu'à Porto-Novo, c'est un cochon qu'on va tuer. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les mêmes choses. Nous avons souvent plaidé à Savalou l'unité. Et nous avons plaidé aussi la solidarité, l'entraide. L'entraide est en train de revenir et nous avons senti que les Savaloirs prennent plus conscience aujourd'hui pour le devenir de leur pays. Nous appelons pays Savalou qui est aussi un pays maquis. Et nous appelons à cela. Nous sommes vers la fin de l'année. Et j'aurais souhaité, ou bien que la royauté même aurait souhaité, qu'on ne laisse pas toujours pendant nos affaires des tribunaux, qu'on revienne à nous et que chacun revienne en de meilleurs sentiments. Et de deux, je vais dire que nous sommes en train de mettre en suspens certaines cérémonies que nous ne faisons pas jusqu'à ce jour. Tous les Savoyards s'en plaignent et je crois, avec la grâce
de nos fétiches, avec la grâce des divinités qui nous accompagnent, avec la grâce du suprême qui nous accompagne, nous demander à tout un chacun de revenir au bercail et de prendre sa patience, soit en mal en patience, et que les cérémonies débuteront très bientôt. Et dès que nous allons ouvrir, et, comme on le dit, dès qu'on va nettoyer les mauvais esprits qui ont plané ici, et ça va se faire très bientôt, dès que nous allons nettoyer les mauvais esprits, ça va le reprendre plus d'ampleur, et nous aurons grâce à ce qui revient là, au président Talon, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons fêter avec le départ du mal, de la pandémie qui est en train de jouer, qui s'en va déjà, puisque nous avons prié les dieux pour que ça finisse très bientôt. Avec ce départ-là, nous aurons une fête de 15 août très forte, avec un roi très bien.